Nous sommes venus là, là, sur cette tache de sang qui fertilisera le sol de Cargèse. Et ce n'est pas la seule tache de sang qui fertilisera Cargèse, et il y en a d'autres. L'appel d'Awabast a voulu ici pour Salaclaï, brisé par la force des mots, les lois du fatalisme. Au pied du monument aux morts, lieu du crime, près de 80 personnes se sont retrouvées. Moins nombreux que les Bastiais ou Ajacciens, les Cargésiens sont là, précis dans leur motivation. Mon incompréhension et mon soutien à sa famille est marqué ce sentiment, oui, à la fois de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, témoigner que c'était un brave homme. La responsabilité des gens, c'est de venir dire non. C'est le minimum qu'on puisse faire, dire non à ces assassinats pour que ça s'arrête. On ne va pas arrêter des assassins, mais on peut donner du courage à ceux qui sont chargés de les arrêter. C'est la première fois que le collectif Massimo Susini se fait entendre pour l'assassinat de Salaclaï. Les associations présentes veulent surtout briser l'indifférence, risque majeur pour la mort de cet homme inconnu des services de police et qui vivait seul, loin de sa famille, resté en Tunisie. Ce qui nous interpelle, c'est l'absence de ceux qui ont la responsabilité de cette île, de l'État à la moindre mairie. En passant par la collectivité, nous n'avons pas de représentants présents. Le fait de manifester de l'empathie et de la compassion, ben ça redonne de la valeur à la vie, et y compris, si je puis dire, à la vie d'un humble. Dans la foule, quelques Tunisiens plus ou moins âgés, moins nombreux aujourd'hui qu'à la levée du corps de Salaclaï à Ajaccio le 10 février dernier. Le climat est lourd pour ces familles. L'inquiétude, la peur s'est installée, disent certains. Elle imprègne bien des ruelles du village.